pour un petit haul, enfin un petit, un haul AliExpress. Ça faisait un petit moment. J'ai acheté des vêtements. Oh pardon. Excusez-moi. J'ai mis le ventilateur et ça me tue le nez. Donc j'ai acheté des petites tuniques d'été et puis des bijoux. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. J'espère que ça vous plaît. Donc allez, c'est parti. J'ai un poil de chat sur le sur la lèvre. Regardez. Et on le voit, petit bonhomme. Mon Linus. Allez. Alors. Ça, alors le monsieur à qui j'avais acheté une paire de boucles d'oreilles m'a envoyé une petite lingette d'alcool à 70. J'ai trouvé ça très bien. Franchement, c'est une bonne initiative. Bon vendeur, c'est la première fois. Alors, en premier, je me suis acheté un petit un petit éventail comme ceci. Il est tout petit, je l'ai payé 85 centimes parce que j'ai tout le temps chaud et ben il vaut que ça parce que il va pas faire long feu et puis je l'ai reçu, il était déjà tout défait, pas fini ici en fait, voyez ici ils avaient mis une petite bande ici et ben ici il n'y en avait pas donc j'ai mis du sparadrap. Bon, c'est pour la maison, c'est pas grave. Moi, je l'ai pris en rose. Il était en toutes les couleurs. 85 centimes. J'en ai pris qu'un. J'ai bien fait. Parce que, à mon avis, ça fera pas long feu. Mais bon, pour la maison, c'est tout ce que ça vaut. Et c'est très bien. Ensuite, j'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles. Pareil, pas terrible. Je les ai payées moins d'un euro dans les 89 centimes. Bon, j'ai pas fait de litige pour 89 centimes. Attendez, je vais me rapprocher. Hop, voilà. J'ai pas de boucle d'oreille verte. Et donc, j'ai acheté des petites puces comme ceci. Voilà, ce sont des petites puces vert bouteille en acrylique. Voilà. La finition est très mauvaise, comme vous pouvez voir. Bon, pour 89 centimes, quelque chose comme ça, j'ai laissé tomber. Je les mettrai quand même, je vais les garder. Elles sont sympas, ça se verra pas. Ensuite, j'ai acheté, pareil, alors celles-ci, toutes les boucles d'oreilles que je vais vous montrer, elles sont pas données. Hein. Elles sont toutes à presque 3 euros. Des petites boucles d'oreilles en acrylique, toujours. Oui, c'est acrylique la matière. Ce sont des puces comme ça, pendantes, et elles sont trop mignonnes. Ici, c'est en espèce de couleur ambre. Et là, c'est transparent avec... attendez, que j'ai... Voilà. Marbre rouge. Rouge bordeaux. Trop mignon. Elles sont pas très grosses. Voilà. Trop sympa, je les ai payés dans les 2 euros et des poussières. Je vous mettrai pas les liens hein, en barre d'infos parce que sur AliExpress ça change tout le temps les prix. Je vous indiquerai seulement ce qu'il faut indiquer dans la barre de recherche et puis c'est tout. Voilà, parce qu'il suffit de mettre boucle d'oreille acrylique et vous tombez sur tout type de modèle, dont celle-ci. Voilà, donc dans les 2 euros et des poussières. Elles sont sympas. J'adore ce genre de boucles d'oreilles en ce moment. Ensuite, vous allez les reconnaître. Je les ai déjà en noir avec le cœur noir et en jaune avec le cœur jaune. Elles font presque 3 euros. Les grosses boucles d'oreilles comme ceci en marguerite, en acrylique. Ce sont des puces toujours. Elles sont énormes. Et là, je les ai prises avec le cœur rose. Voilà, parce que j'ai que une ou deux paires de boucles d'oreilles roses. Et elles sont pas données, mais bon, j'adore. J'adore les grosses boucles d'oreilles marguerite comme ça. Je trouve ça super sympa l'été. Voilà. Elles sont trop, trop, trop belles. Et la qualité est là. Donc, dans les 2,80 €. Voilà, elles sont superbes. Donc, c'est la troisième paire.
comme je vous dis, il y a avec le cœur jaune, le cœur rose et le cœur noir, et j'ai les trois. Ensuite, pour rigoler, moi j'adore les boucles d'oreilles sympatoches. Pareil, je les ai trouvées chères, j'ai hésité pendant un petit moment, mais je les trouve trop sympas. Ce sont des emojis, voilà, comme ceci, ils sont assez gros. Des emojis trop rigolos qui vous mettent la pêche dès le matin. Pareil, pas loin de 3 euros, dans les 2,80 euros, 2,70 euros. Bon, je les ai reçus un petit peu rayés, mais ça se voit pas. Malgré le prix, je les ai pris quand même. Elles sont dans les jaunes moutarde. Elles sont trop belles. Et derrière, c'est noir. Voilà. Pareil, c'est en acrylique. Toutes légères. Mais trop mignon. Et ça vous met la pêche dès le matin. C'est bien mon style. Ouh, pardon. Voilà. C'est des pendantes. Elles sont trop belles. Presque 3 euros. Pas donné. Ensuite, j'ai voulu m'acheter, j'adore tout ce qui est ethnique, etc. Mais bon, pareil, j'ai pas fait de litige. Vous savez, le genre de petite boucle d'oreille qu'on enfile comme ceci. Mais en fait, la qualité est médiocre. Le coin, enfin, le bout en métal, ça fait hyper mal. Vous pouvez pas l'enfiler dans le trou parce qu'il est pas aiguisé. Enfin, si je puis dire. Voilà, mais j'ai payé ça dans les 80 centimes. Ça vaut que ça. Je les resserrais. Mais bon, là, je suis complètement déçue. Mais j'adore ce genre de petites boucles d'oreilles. Et en bijoux, pour finir, mes préférés. Pareil, dans les 3 euros, 2,95 euros, quelque chose comme ça. J'ai craqué. Ce sont des œufs sur le plat qui sont morts de rire. Voilà, trop mignon. C'est tout à fait mon style. Elles sont pas très grosses, elles sont hyper légères. Le petit jaune d'œuf est en 3D, comme ça, vous voyez, ça fait une demi-sphère. J'adore, c'est trop mignon. Derrière, c'est mat. C'est fait exprès. Et donc, c'est en acrylique et elles sont presque à 3 euros. Oui. Mais l'originalité se paye. Et moi, j'adore. Je vais vite les ranger pour les mettre, même pour cet hiver. Ça, pareil, ça vous met de bonne humeur et ça vous met la pêche et la banane dès le matin. J'adore. Pareil, j'ai tapé bijoux acryliques et boucles d'oreilles acryliques et je suis tombée là-dessus. Alors, faut attendre dans les 2,50, 3 euros. Hein. Voilà. En bijoux, c'est terminé. Hop, je les mets là dans la petite boîte pour ne pas les perdre. Et ensuite, ce ne sont que des vêtements. Alors, j'ai eu un flop, mais je ne l'ai pas là, je suis désolée. Je l'ai donné ma petite robe. En fait, c'était censé être du 2XL, 3XL, et je ne rentrais pas dedans. Bah oui, parce qu'il y a seulement ma petite fille Alma, Elise, qui a 10 ans, qui rentre dedans, et ça lui fait une petite robe d'été. Donc, comme j'ai vu sa maman il n'y a pas longtemps, pour les 18 ans de son frère, à Maëlys, et bien je lui ai donné et ça lui va parfaitement. Donc j'étais loin de pouvoir rentrer dedans. J'ai acheté des petites tuniques, vous allez voir, trop mignonnes. Alors j'ai pris, je me suis référée au tableau des tailles de chez AliExpress. Chaque vendeur a son tableau et moi je sais que je fais, là je prends plus de 100 centimètres, je crois que c'est ça, hein. Ouais. C'est la taille, je sais plus. Bref, et moi ça correspondait à du 2XL. Voilà, alors que normalement je fais du XL, donc une taille au-dessus. Donc ce sont des petites tuniques, mais je vais tâcher de vous faire un try-on. Je crois que ça se dit comme ça en anglais, bref. Des petites tuniques comme ceci. Voilà. Alors la matière, faut aimer, hein. C'est un espèce de nylon. Je sais pas si vous allez voir. Heureusement que c'est assez échancré au bras et que c'est court. Ce sont des tuniques parce que sinon ça tient chaud. Hein. Vous savez, ça va être une espèce de parapluie, une espèce de matière. Vous m'entendez? Je suis désolée pour le bruit. C'est mon gardien qui souffle les feuilles. Il passe son année à souffler les feuilles, même quand il n'y en a pas l'été. Voilà, vous voyez, c'est une espèce de nylon. Donc j'en ai pris une
Elles sont toutes entre 5 et 6 euros. La plus chère, c'est 6,02 €, c'est celle-ci. Avec des petits chats, trop mignons. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Et donc, c'est pas très long, hein. Ça m'arrive mi-cuisse. C'est pour mettre avec des leggings d'été en coton. Voilà, donc celle-ci, c'est 6,02 €. Trop mignon. Moi, je craque. Faut aimer, mais moi, c'est mon style. Avec des fleurs de cerisier, je l'ai payé dans les 5,85 €. Voilà, c'est la même matière, c'est un peu transparent, vous voyez, comme ceci. C'est une tunique, elle est très très jolie, c'est très fluide, donc l'été quand il y a du vent, ça va. Voilà. Ça se lave comme des mouchoirs, même matière, et là c'est une espèce de nylon. Elle est noire et blanche avec des roses comme ceci. Voilà, je ne sais pas, alors attendez, est-ce que j'ai zoomé? Je vais me dézoomer. Voilà, c'est peut-être mieux comme ceci. C'est assez court, elle est très élégante. J'ai déjà mis une fois et le lendemain, c'est sec, hein, quand vous mettez ça en machine. Impeccable, pareil, ça je l'ai payé dans les 5,80 €. Je l'ai payé 6,02 €. Voilà. Alors là, elle est comme ceci et c'est avec un gros minou. Voilà, trop mignon. Voilà les coups, vous voyez. C'est une tunique pareil qui arrive mi-cuisse. Elle est trop mignonne. Toute légère. 6,02 €. Plus de la moitié de chaque robe parce que les photos étaient mensongères et il a pas tiqué. Et à mon avis, c'était pas la première fois, parce qu'en fait, quand j'ai regardé les avis, ben, les filles étaient comme moi, c'était censé être des grandes robes arrivant à mi-mollet, et quand je les ai reçues, ben, ça m'arrivait sous les fesses. Donc il y a quand même un problème. Et donc on a toutes fait des litiges, hein. Donc c'est toujours du 2XL. Là c'est en une espèce de voile comme ceci, avec en dessous une doublure. Hop, une doublure, voilà, un peu nylon,
Bon, c'est assez chaud, hein. Mais je voulais mettre ça, parce que c'était censé être long, je voulais mettre ça pour le mariage que j'ai l'année prochaine, en juillet. Et donc, en fait, je ne mettrais pas ça parce que je voulais une robe élégante qui a jusqu'à mi-cheville, enfin non, mi-mollet, et ça m'arrive sous les fesses, donc ça va pas. Mais bon, je les garde, hein. Il m'a remboursé la moitié de chacune. Vous voyez, c'est très court, hein, ça m'arrive sous les fesses, avec un legging cet été, ça va être génial. Mais tant pis, il avait qu'à mettre les vraies photos. Donc ça se présente comme ceci. C'est tout léger, tout fluide, mais ça descend pas très bas. Bon, c'est limite sous les fesses. Bon, ça, c'était normalement 5,80 € et il m'a remboursé la moitié. J'ai pris les trois qui vendaient. Idem pour celle-ci qui est couleur saumon. Voilà. Avec des petites fleurs bordeaux et des verts bleu nuit. Voilà. Donc ça fait des voiles, je ne sais pas si vous allez voir, des voiles un peu asymétriques. Voyez. Pareil, il m'a remboursé la moitié puisqu'il manque un bout de tissu. Fleurs bleues et bordeaux. Voilà, comme ceci. Toujours avec une doublure. Voilà. Manche échancrée et le bas asymétrique, mais ça arrive sous les fesses au lieu d'arriver mi-cheville. AliExpress vous a plu, donc je vous dis surtout méfiez-vous si vous voyez ces robes là, lisez bien les commentaires des anciennes acheteuses. Moi j'avais pas regardé. Bon, il m'a remboursé la moitié, donc c'est impeccable puisque je vais pouvoir les mettre quand même. Mais n'hésitez pas à lire les commentaires des achats des autres acheteuses pour ne pas vous faire avoir comme moi. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas, oui, à vous abonner parce que d'ici peu, un autre concours sera à venir. Vous allez me dire, on a le temps, mais Noël, ça va arriver très vite. Donc, un concours spécial Noël avec des vernis, des bijoux, etc. de gagnantes. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!